Lee a signé la reddition. Ce n'est pas vrai, ne dis pas de bêtises. Tu me croiras si je te montre un de tes colonels du Sud. Et sortez le prisonnier! Demande-le lui. Salut, lieutenant. Je suis le colonel Bill Donovan. Monsieur. Repos. C'est vrai ce que vous avez dit? Oui. Le général Lee s'est rendu? Oui, en Pomatox. Quand? Il y a 2 jours. Elle a fini mal, alors? Eh oui, hélas. Le Sud s'en est sorti avec les os brisés. Il n'y a plus rien à faire qu'à vous rendre. Alors? D'accord. Jetez les armes! Et descendez de cheval! Faites comme il vous le dit. Comme des braves, descendez! Non, avez-vous un cigare? Oui, mon colonel. Ah, merci. Vous voulez du feu? Non, merci. D'où êtes-vous? De Little Rock, Arkansas, colonel. Arkansas? Oui. Hein? C'est loin, il vous faudra 5 jours de cheval. Oui. Et avec mon système, vous le ferez en 3 jours. Et à pied! Évite au pas de course! Ça a été facile, hein? Ouais! Même vous, toutes les masses! En avant! Prenez les chevaux et ramassez les armes! Maintenant, c'est nous qui faisons la guerre, et à notre manière! Debout, allez, dépêchez-vous! Allez, debout! En avant!
Clairon, ton uniforme me plaît. J'ai décidé de m'en emparer. Commence par enlever ton pantalon. Est-ce que tu es sourd? Donovan, tu es enfin de retour. Je vois que tout s'est bien passé. C'est vraiment bien passé, Stella. On a pris un canon. La batterie du canon continue à tirer inexorablement. Le fourgon des valeurs de la Wells Fargo dérobé par Donovan. Bonjour, mesdames, messieurs. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Très noir impérément. Rien au numéro. Pour vous, monsieur. Merci pour les impôts. Les jeux continuent. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux. Cheval 6-9 pour monsieur. Très bien. 32-35. La première douzaine pour madame. Carré 16-20, 13-17. Bien, messieurs. Transversal 10-12 pour vous. Et 19-21. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Baker, voilà ton travail. Bouge pas. Fais tourner la roulette. Est-ce que tu m'as entendu? Petite coupure. Ah, bonjour, monsieur Aquasanta. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Aquasanta. Bonjour. Bien rentré, monsieur. Avez-vous fait un bon voyage? Je suis content de vous revoir. Et comment va ce Baker? Et d'après son visage, on s'aperçoit qu'il n'est pas très bien. Je vous en prie, après vous. Vous êtes mieux que lui, car vous avez empoché la rançon. Je vous en prie, après vous, monsieur Aquasanta. J'ai donné des ordres pour ne pas être dérangé. Je vous en prie, asseyez-vous sur le fauteuil neuf. Il est uniquement réservé aux clients importants. Comment va le travail? Ça doit bien marcher, vu ces derniers temps dans l'économie générale du pays. Et bien sûr en stagnation, mais vous avez une activité particulière. Il y a certainement un boom. C'est l'époque des chasseurs de rançons. Combien déposez-vous, monsieur Aquasanta, pour cette fois-ci?
5 000. À mettre sur mon compte. Oh, bien sûr. Tout de suite, tout de suite. Ils savent tous que notre monsieur Acquasanta est un type taciturne qui préfère éventrer au lieu de parler. Mais en vérité, peu de gens savent que vous exercez cette profession avec beaucoup de scrupules, comme un homme d'affaires et avec une vue toujours tournée vers l'avenir, et oui. En additionnant intérêt et capital, nous arrivons à 50 000. Ici, le dollar est dévalué. À partir de demain, les salaires et les informations sont plus chers. Puis-je entrer? Un moment. Entrez. J'aurais plutôt préféré une rousse. Il suffit de demander. Ah, vraiment? Acquasanta Joe. Alors, il t'a demandé où était Acquasanta Joe. Baker te restera sur le dos. Bien, allons. Volontiers, mais je ne peux pas sortir ainsi avec le cul à l'air. Juste, tu serais trop indécent. Casanova de mes bottes. Allons, commence à te vêtir. Attraper au plus vite ces maudits et les pendre tous. Sinon, nous couvrirons de ridicule avec cette histoire. Mon général. Des nouvelles? Oui, monsieur. Aujourd'hui, Donovan et ses hommes ont été signalés à Lancaster. Ils ont même dépassé Sweetwater. Il n'y a plus aucun doute. Ces damnés voleurs de canons se déplacent de plus en plus vers le sud. Et ils réussissent toujours à tromper les surveillances de nos avant-gardes. La cause la plus scandaleuse, c'est qu'ils ont réussi à traverser la vallée de Sweetwater. Évidemment, là-bas, nous avons envoyé une troupe de sans-cervelle et non un escadron de cavalerie. Nous ne pouvons pas parler sur le manque de mérite de nos soldats, mon général. Ah. Donovan est plus rusé qu'un renard. Il a l'avantage de connaître à fond toute la région. Ça, c'est sûr, nous ne pouvons dire que nous les avons sous contrôle maintenant. La disposition des divers postes avancés devrait nous donner de très bons résultats. À condition qu'il n'y ait pas de piège.
Chargez-le. Halte! Prenez vos positions. Appelez le directeur. Directeur. Bonjour. Il faut fermer tout de suite la banque. Eh, de suite? Mais pourquoi? Par des ordres d'en haut. La bande du canon n'est pas loin d'ici. Mais quel eau, quel canon, quelle bande? C'est dangereux. Danger mortel. Ah, je ferme tout de suite. Messieurs, je regrette, mais aujourd'hui, la banque ferme avant l'heure habituelle pour des raisons de sécurité. Ce sont des ordres d'en haut. Cela. Vous chargez de quoi? Que faites-vous? Je suis les instructions d'en haut. Mais quelle est cette histoire? Ouvrez tout de suite le coffre-fort. Mais vous n'êtes pas de vrais soldats, moi je ne vois rien. Donne-moi ta montre. Mais pourquoi? Vous voulez savoir l'heure? Mais que pensez-vous en faire? Très bien. C'est un souvenir cher. Prenez-en bien soin. Il est exactement midi moins 3 minutes. 2 minutes. Parfait. Tu as 2 minutes pour ouvrir ce beau coffre-fort. 2 minutes. Non. Je n'ouvrirai jamais. Non. Je n'ouvrirai pas. Non. Vous ne me faites pas peur. Secondes. Je vois que ce vieux est plutôt coriace, n'est-ce pas? Attention, j'ai déjà assez patienté. Je n'ouvrirai jamais ce coffre-fort. Au moins 10 secondes. Allons, ouvre. Non. J'aimerais mieux me faire tuer. Je suis un fou têtu. Je l'ouvrirai moi-même, ce coffre-fort. Thank you.
bouge pas. Faut peut-être que je te le porte là-bas, hein. À quoi ça, ça? Il va se refroidir, le café. Moi, je me suis refroidi les pieds pour rien. Maintenant, tu peux te mettre au vert. Est-ce que je pourrais t'emprunter quelque chose? Avec intérêt bancaire, bien sûr, mon ami. Fou. Te farcir de Donovan, c'est pas une chose facile. T'as besoin d'être aidé cette fois-ci. J'ai appris que Charlie Bennett ne faisait plus partie de la bande Donovan et que Donovan le recherchait. Il paraît qu'il est disposé à payer 5 fois la mise à prix fixée par les fédérés. Il est recherché comme témoin. À qui il livrera vivant? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le savoir. Quelqu'un a frappé la fenêtre. Je vais regarder. Faut-il cette saloperie de Donovan pour avoir ma peau? $10,000. C'est trop pour un fils de putain comme toi. Oh, n'offense pas ma mère. Elle vient de mourir. Bah, tu vois. La vérité. Et c'est pour cette raison que j'ai quitté la bande. Seulement pour la revoir. Pour la revoir une dernière fois. Je suis venu pour donner un dernier baiser à ma peau vieille. Dans un bordel. Pauvre vieille. Je suis vraiment un grand fils de putain. Mais tu plaisantes, petit frère, hein? À quoi Santa, tu es brave. D'antan. Merci, merci beaucoup. Ah ben voilà, je suis prêt. Pardon. Maman, ma petite mère, donne-moi la Bible, fais vite. Oui, la Bible. Soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à notre tentation. Délivre-nous du mal. Hein. On n'a qu'une mère, tu peux pas comprendre. Écoute-moi, l'ami.
Par simple curiosité, pourquoi t'appelle-t-on Aquasanta? Eh ben, réponds, vilain fils de... Bon, excuse-moi. Tu pourrais me donner cette satisfaction avant de me livrer à Donovan. Alors? Eh ben, dis-le-moi. Quand j'étais un petit garçon, un prêtre qui vendait de l'eau de vie aux Indiens, il l'appelait Aquasanta, mais de Béni, il y avait seulement l'endroit où il la distillait, la sacristie. Et depuis, il m'est resté surnom. Le prêtre s'appelait Aquasanta Black, et moi, Aquasanta Joe. Est-ce que tu es satisfait? Je n'en ai rien à foutre. Oh, nous y sommes, l'ami. Nous sommes où? Oh, ben nous sommes nulle part. Moi, je suis en train de faire sous moi. Mais ma vessie va éclater. Oh, oh, j'en peux plus d'attendre. Oh. Je dois pisser. Dépêche-toi. T'as bien pissé avant, toi, non? Oh. Oh. Ça va bien, ça va. Vas-y. Oh. Attends-moi, tu sais. Hein? Allez, dépêche-toi. Ah, mais t'as pas encore fini? Alors, t'as une vessie d'éléphant? À cheval, ça ira beaucoup mieux. Tu es belle. Oh. Oh. N'essaye plus. Est-ce que tu as compris? Oui. Ne t'amuse pas de recommencer. Ah, ça suffit, là. Je vais te remettre les idées en place, moi, tiens. Hey. Oh. Hey. Il vaut mieux que tu retournes chez les tiens pour un moment. Non. Je préfère rester ici. Oh.
Donovan, il y a du monde qui arrive. Qui es-tu? Aqua Santa Joe. Est-ce que tu serais par hasard le fameux Aqua Santa, hein? Charlie! Eh bien, Charlie, te voilà revenu? T'avais un peu la nostalgie, hein? Ah, t'as bien fait de revenir vers tes vieux amis. Tu nous as beaucoup manqué, tu sais. Hé, hey, descends, nous allons te souhaiter une bonne fête. Laisse-le, c'est mon prisonnier. Et c'est juste. Tu as raison. Les affaires sont les affaires. Alors, sortez sous. Bien sûr, bien sûr. Mais combien aurais-tu payé? 10 000. 10 000? Ah non, t'as mal informé. Moi, j'en ai offert seulement 5 000. Et il ne les vaut pas. 10 000. Je te le prends à 6 000 et tu gardes aussi le cheval. T'es têtu, toi. Après tout, c'est pas de ma faute si on t'a raconté des salades. Oh, fais-moi au moins un prix. Je te fais une dernière faveur. 7 millions, n'en parle plus. Non. Ah, c'est pas facile de le convaincre, celui-là. Ah, on est maudits. Ils veulent tous 10 000 dollars. Je les vole pas, les sous, moi. Attends, tiens, essaie toi-même. Il t'écoutera peut-être, toi. Allez, vas-y. T'as entendu, l'ami, oui ou non? Arrête. Alors? Paye-le. Les engagements ont été tenus, Donovan. Ouais. La note est un peu salée pour moi, Vaut-il tant d'argent? C'est débiné avec tous les sous que nous avions prélevés à la banque d'Azoltan. Est-ce que t'as un cigare? 7 000. 7 500. Je les offre toujours à mes clients. Merci. Comment as-tu réussi à trouver ce tordu? À Greenville. Et t'as eu du mal pour l'attraper? Non, ça a été pathétique. Ça n'a rien de pathétique de capturer un gars. Quelquefois, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa mère venait de mourir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, sa mère? Mais c'est un orphelin, il n'a ni père ni mère. Il te l'a fait croire. Sa mère. Allez, amenez-le, allez. Allez, bouge-toi, marche. Charlie, on doit faire nos comptes. À quoi ça en tête avec ton argent? Bah, maintenant, tu peux t'en aller. On va laver notre linge sale en famille. Hein? Alors, hein? Mais, Donovan, nous sommes de vieux amis. Je ne voudrais pas rompre notre amitié. Eh bien, ici, Charlie. Eh bien, ici, j'ai dit. Tu as raison. Bon, eh bien, parlons un peu entre amis. Où sont mes sous?
Mais quel sou? Charlie, maintenant, c'est assez. Ne me fais pas perdre la patience. T'as compris? J'aime pas paraître ridicule. Je ne me moque pas de toi. Qu'est-ce que t'as fait de mes sous? Parle! Bien, voilà. Je les ai tous dépensés pour les funérailles de ma mère. C'est la vérité, tu sais, les cierges, le cercueil... Toi, ça suffit. L'histoire des funérailles de ta mère, va la raconter à ceux qui la connaissent pas. Mais moi, me dire immédiatement où t'as caché mes sous. Tu vas parler? J'ai plus rien. Alors, tu te décides ou non? J'en ai marre d'attendre. Allez, les gars, prenez-le. Amusez-vous, les gars. Allez, non, vous n'allez pas faire ça. Non, laissez-moi. On va te donner une leçon qui ne nous oubliera pas si facilement. Non, mais cet argent est à nous. Mais c'était les funérailles de maman. Alors, tu vas te décider à parler, oui ou non, hein? Ça t'y fait pas, hein? Non. Allons-y. Alors, on recommence, Charlie? Non, je suis sensible à certains arguments. Ils m'ont fait retrouver la mémoire. Voilà. Où sont-ils cachés, mes sous? Je les ai enterrés dans le cimetière de Greenville, dans un cercueil. Ah, ils sont dans la tombe de famille, naturellement. Oui, naturellement. Et pourquoi ne pas l'avoir dit avant, Charlie? C'était pour te faire un peu marcher. Imbécile, va. On va aller à Greenville. Toi et Jack, vous resterez ici. À cheval. Charlie nous a possédés encore une fois. Nous sommes les seuls coupables. Nous aurions dû nous en apercevoir. Retourne en arrière. Je vais lui arracher la langue à ce bâtard. Qu'est-ce qu'on fait, Donovan? En voilà assez de rester ici en contemplation. Ça va, allons-nous-en. Et la prochaine fois, vous garderez les yeux ouverts, n'est-ce pas? Il m'a touché à l'épaule. Et je ne me suis aperçu de rien. Quant à moi, il m'a serré la gorge, ce qui m'a fait suffoquer. Vous êtes deux couillons, voilà tout. Et pour cette fois, vous en tirez à bon compte. Allons-y, les gars. Ils ont besoin d'une bonne petite leçon. Alors, on va s'amuser un peu. Allez! Messieurs, je vous ai convoqué ici pour connaître vos opinions. Merci, capitaine. Alors... Eh oui, je suis indécis.
Selon moi, la proposition d'Aquasanta Joe est assez intéressante. Oui. Je crois que de cette façon, nous pourrons avoir ainsi la possibilité de mettre la main sur cette fameuse bande. Très bien. Nous ferons de notre mieux, Aquasanta. À vous d'agir, Major. Oui, monsieur. Emmenez-le. Allons-en. Allez, avance. Vous avez payé juste au bon moment. Donovan va maintenant être furieux pour cette vilaine surprise. Ainsi, vous avez déterré cette caisse et vous avez pris l'argent. Et enfin, vous avez remis tout en place. Ah, c'est un mauvais tour pour Donovan. Peut-être. Mais lui aussi m'avait joué un tour de très mauvais goût. Ah, j'aurais bien voulu voir sa gueule. Et aussi de ses hommes. C'est vraiment un tour génial. Laissons les tours de côté, mon général. Je dois vous informer que j'ai gardé totalement la somme que j'avais déposée à la banque et qui m'avait été dérobée. Même la rançon du gouvernement pour la capture de Charlie Bennett. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Quelqu'un qui a des choses importantes à te dire. Je vais venir ici. Hé, hey, Sicilien, tu peux venir. Je viens de la part d'Aquasanta. Hein? Et alors? Ben alors, il te propose une affaire. Oh, ben, quelle affaire? Disons, une bonne affaire. Ouais, bon, ben, de quoi s'agit-il? Tu t'intéresses toujours à Charlie Bennett? Hein? Où est-il? Les fédéraux l'ont attrapé. Continue, explique-toi mieux. Si t'intéresse, Aquasanta va te le ramener. Et comment? Ah, c'est une question d'argent. Ah. Vous voulez encore 10 000 dollars? Ah, tu sais, la vie augmente tous les jours. 50 000 dollars. À 50 000? Alors, oh non, il n'y a rien à faire. Ça me semble vraiment trop cette fois. Eh, c'est pas trop. Comme ça, tu as la possibilité de récupérer tout le butin. Et ils te donnent le service gratuitement. Que nous racontes-tu là, imbécile? Pour qui nous prends-tu? Ben, c'est qu'elle s'élevait à 50 000 dollars, les économies qu'Aquasanta avait déposées à la banque de Hazeltown. Ah, je ne savais pas qu'Aquasanta avait économisé une telle somme. Et pourquoi il t'a envoyé? C'est parce que de temps en temps, je suis l'associé de la bande. C'est moi, le Sicilien. Et après-demain, ils vont le pendre, Charlie. Pour le prendre vivant, faudra accueillir les fédéraux par surprise. Et comment? Vous n'avez jamais entendu parler de la ruse du cheval de Troie? Non. Ignorant analphabète. Mais de quel cheval de Troie parles-tu?
Gagnons, Donovan. Charlie est mort, à quoi ça sert de continuer? La bataille est finie, sonne la retraite, je te dis. Mais je sais pas sonner la retraite. Ouais, sonne ce que tu veux, je m'en fiche, mais sonne. Allez, viens. Ça te plaît de tuer les gens comme ça? Allez, on s'en va. Thank you.
Pourquoi as-tu tant tardé? J'ai pas pu venir avant. Marche. Santa. Oh. Estella. Éloigne-toi. Ça va mal pour toi? À quoi Santa? C'est la dernière femme que tu auras eue dans ta vie. Vous êtes prêts? Ne fais pas le con. Je suis arrivé le premier au cimetière. Au cimetière de Greenville. Ça suffit comme ça. Allez, en avant! Allez, marche, croque-mort! Alors, c'est toi qui nous as fauché notre magot. Là, t'es pas maladroit, quoi, Santa. Et si tu craches pas le morceau tout de suite, tu le paieras cher. Tu voulais nous faire attraper par les fédéraux, hein? Et t'en as fait trop, hein. Allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui suffit? Je fais ce qui me plaît, Donovan. C'est toujours moi qui commande ici. Je fais ce qui me plaît, je te l'ai dit. C'est clair? J'en ai assez de toutes tes foutues conneries. Nous en avons plus qu'assez. Vous n'avez pas été là pour commander, vous seriez tous morts. C'est comme aujourd'hui, qui vous a donné l'ordre de tirer, hein? On n'avait plus besoin de tuer les militaires. Dans ces conditions, on ne pouvait plus rien faire. Vous devriez me remercier parce que j'ai flairé un piège. Si on était monté sur ce chariot, on était tous massacrés. Mais néanmoins, tu m'as fatigué avec tes stratégies. Tu veux faire le militaire et tu n'y connais rien. Ils ont tous réussi à t'avoir. Comme un écervelé, c'est assez maintenant. Cette fois-ci, nous ferons ce que je déciderai. Un point, c'est tout. C'est clair, commandant? Et si ça ne te va pas, tu peux t'en aller. Eh bien, ceux qui restent avec moi de ce côté, choisissez. Jim. Jack. J'ai compris. Si vous voulez suivre ce grand écervelé, faites-le. Je m'en irai seulement quand j'aurai ma part de l'or. Faites-le parler. Nous allons voir comme tu es brave. Emmenez-le. Je sais comment le faire chanter. Un moment. Je vais vous donner un dernier conseil, mes amis. Si j'étais vous, je quitterais le camp. Les fédéraux pourraient venir ici d'un moment à l'autre. J'avais dit à Qua Santa où nous étions. Et je ne resterai pas pour leur souhaiter la bienvenue. Il a raison, Donovan, cette fois-ci. S'il nous ramasse ici, il nous tue tous. Oui, il faut se tailler tout de suite pour éviter la corde. Ne perdons pas de temps. Partons vite d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Pour lui, on aura le temps et les loisirs de nous en occuper quand nous voudrons. Attachez-le solidement et tenez-le à l'œil.
Voilà ce qu'il était venu faire, fils de bâtard salaud. Sois tranquille, tu me paieras tout ensemble. Allez, venez m'aider à détacher la roue, là. Allez, vas-y, vas-y, passe. Aide-moi. Allez, courage, il faut la remettre dedans, allez. Ah, comme ça. Vous allez la soulever, ben allez-y, forcez. C'est parfait. C'est ça. Allez-y, hop! Hey, il me semble que nous sommes tombés en disgrâce. Hein. Un cigare? Mais tu n'es pas bien, toi, Quasantin. Peu importe les sous si tu dois crever. Là, ça va aller. Oh. Attends, je vais la soulever. Comme ça. Allez, continue. Voilà. Là, là, là. Ça y est, mets la goupille. Oh, quelle connerie. Dire adieu à la vie avec une montagne de dollars qui t'attend, et je parle des dollars de la banque d'Azeltan. Hein? Eh oui, c'est vraiment dommage. Tous ces beaux sous. Ah, que veux-tu nous faire, l'ami? Ah, quand on se trouve dans ces conditions, il faut savoir se résigner. Parce qu'une triste fin t'attend, hein? À moins qu'un ami puisse te donner un coup de main, mais pour avoir un ami, il faut savoir être généreux. Car dans ce monde, personne ne fait rien sans rien. Hein? Pensez. Comme ça, là, ça va aller. Bon, eh ben on peut repartir. En marche! Décide. Ne me fais pas perdre patience. Parle. T'as eu assez de temps pour réfléchir. T'as encore une minute. Tu vas nous dire où sont cachés nos sous. Parle, grand fils de pute. Tu vas bien sauter en l'air. Moi, ça m'a toujours plu de voir de beaux feux d'artifice. Mettez-vous à l'abri! Sauvez-vous! À l'abri! Ouais. Ah! Je sens pas! Oh. 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 Thank you.
tu peux. Nous sommes tous sauvés. Du calme. Je suis là. Il nous a eu ce Donovan de malheur. Et suivons-le. Allez, pressez-vous. Non, c'est ton pistolet qui me fait perdre mon chemin. C'est ici. Il est là, tu es content? N'essaie pas de m'avoir maintenant. J'ai déjà perdu beaucoup d'amis, tu sais. Je ne voudrais pas te perdre toi aussi. Je suis désarmé, donc je ne peux rien faire. C'est seulement pour t'avertir. Et maintenant, va chercher les sous. À vos ordres. Ah. Et n'arrête pas de parler, hein. Je le sais, oui. Tu as peur de rester tout seul comme un enfant. Si ça va mal, je vais perdre beaucoup de sous. Mais toi, tu perdras plus. Ta peau. Oh. Veux y aller? Dépêche-toi. Vite, toute ma bande peut arriver d'un moment à l'autre. Oh, c'est un peu humide ici. Ça, je m'en fous. À quoi ça, Anta? Parle! Oh, je ne parle pas beaucoup, tu sais. Alors, tu as trouvé? Tout est là? Je suis en train de creuser. J'y arrive presque. Eh bien, à quoi ça, Anta? À quoi ça, Anta? À quoi ça, Anta? À quoi ça, Anta? Ouais, saloperie, fils de pute, je vais te tuer, moi! Thank you.
Non. Économiste et balle, nous avons de la visite. J'en ai rien à foutre. Eh bien, regarde de ce côté. Alors, Donovan, est-ce que j'ai pas raison? Provisoirement. Viens par ici, donne la main. Tire plus fort. C'est vrai, quelquefois, on a besoin d'un ami qui vous donne un coup de main.
Joe, nous sommes quittes. De la trompette. Le dernier, c'est pour moi. Ni de Donovan, ni d'Aquasanta. Et de Butch Bloody. Il n'est pas avec les morts. Nous sommes arrivés un peu tard. La fille Comanche avait raison. Donnons un coup d'œil à cette tanière. Si nous pouvions au moins récupérer ce damné foutu canot. Allons-y.
moi. Son cadavre m'intéresse. Il vaut 5000 dollars. Vraiment désintéressé, toi. Tu ne prendras pas de coup de soleil. Tu ne me pardonnes pas,
Bah, malheureusement, nous sommes dans la même trempe. Donovan! Hey, Donovan! Donovan! Mais t'es cinglé! Non! Donovan! Donovan! Je ne crois pas que tu auras le courage de me tirer dessus! Attends une minute et il ne te restera pas un seul petit os intact! Elles n'ont pas le droit de vivre, les ordures comme toi! Donovan! Ne fais pas le con! Reste tranquille, je ne ferai plus la bêtise de te laisser vivre! Tu peux y compter. Commence à prier si tu en es encore capable. Je vais t'expédier au Créateur. Ou en enfer, ce que tu préfères. Moi, je ne sais pas si le diable sera très content de t'avoir dans les pattes. Hé, hey Donovan! Tu ne peux pas me tuer comme ça avec le canon! C'est pas régulier! Cette fois, c'est fini, Acquasanta! Et désormais, tu as fini de me prendre pour un couillon! Donovan! Finalement, nous avons réussi à nous emparer de ce foutu canon. Santa Joe. Rendons-lui l'honneur des armes. Attention, présentez armes! Hé, hey, mon capitaine, vous pouvez enterrer les morts, mais laisser en paix les vivants. Oh, d'abord.